L'aventure, c'est l'aventure. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très confortable, comme vous pouvez le voir. Une aventure que les deux stars vont partager avec Claude-Pierre Bloch, l'attaché de presse de Johnny. Passe-le délicatement, Sacha, je te plaît. Avec un mouah. Mais également Sacha Roule, le secrétaire du rocker. Ah, quel pied. Oh oui. Ah! Délivrance! C'est délivrance! Ça commence! C'était des fous rires, des blagues entre eux. C'était un couple d'amitié, de fraternité. Hallyday, c'est son frère, son confident. Le long du Colorado, les deux complices sont à la recherche d'adrénaline. C'est très décevant, la descente du Colorado. Tu t'imagines que c'est les gorges, que c'est la guerre, que tu es sur des trucs en caoutchouc et tout. Première chute, on a un petit peu les moules, tu vois, l'eau était froide, mais bon. Pour les deux amateurs de sensations fortes, les eaux du Colorado, tout comme le rythme des journées, sont finalement un peu trop calmes. Premier soir, à 6 heures, il fait nuit. Donc, première nuit, décalage horaire, on a du mal à s'endormir. Pour pimenter cette expédition et cette première nuit en pleine nature, Johnny Hallyday joue avec une des phobies de Michel Sardou. Sardou était immobilé par les serpents. J'en suis dans le sac de couchage. Je vois qu'il s'assoupit. Et alors, je commence à gamberger dans ma tête. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'emmerder? J'ai pris une petite pierre et je l'ai lancée dans les fourrés qui étaient à côté de sa tête. Et il se réveille en sursaut, il me dit... Tu dors? T'as entendu? Alors je dis, oui, je dors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, là, il y a un serpent. Je dis, alors, j'ai pas entendu. Il dit, bon, alors déjà, il a remis 20 minutes, une demi-heure avant de se rendormir. Et puis j'ai recommencé le truc 3-4 fois, tu vois. Il a pas fermé l'œil de la nuit, le lendemain, il était crevé pendant toute la journée. C'était un voyage extraordinaire, mais long. Et il faisait une chaleur, je me souviens, il faisait des chaleurs terribles. C'était un lac, ça roulait facilement. Là, tout le monde commençait à avoir ras-le-bol. Les jours s'étirent sur les eaux boueuses du Colorado. Quand enfin, une signalétique nourrit l'espoir de vivre l'aventure. Grand panneau qui dit « Danger à partir de maintenant, c'est les rapides, c'est vos responsabilités. » Arrive le bruit, donc on est inquiet. On entend le bruit des vagues, le bruit était terrible. On n'était pas rassurés.